Salut, 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 ça va? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que votre famille, ça va. Et je vous souhaite bon Ramadan et bon courage. Et voilà, qui dit accepte notre Ramadan et notre prière. Donc voilà, c'est ça. Donc justement, je venais juste pour parler quelque chose qui me tient au cœur, voilà, qui me rend fier aussi, qui me rend vraiment fier parce que je trouve ça, c'est vraiment, vraiment cool. Surtout pour nous, les Africains, c'est vraiment un truc qui est bon. Depuis un moment, j'ai constaté qu'il y a une fille qui se trouve en Italie, parce que je pense qu'elle est basée en Italie, voilà. C'est ça, mais je pense qu'elle nous apprend comment écrire notre propre langue, la langue adalama. Et j'ai regardé sur YouTube aussi, j'ai trouvé qu'il y a certains aussi qui nous apprennent comment écrire Inko, la langue malinké. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour nous, les jeunesses africains, et pour nous, les jeunesses guinéens aussi. Parce que quand on apprend notre propre langue à écrire, donc, je pense que ça va nous aider. On doit faire tout possible pour que les gouvernements fassent ça dans les écoles, tu vois. Pour qu'on apprenne notre propre langue dans les écoles, les enfants qui viennent et ils commencent à apprendre ça, c'est très important parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment cool, quelque chose que je trouve que c'est bon pour nous, c'est bon pour les enfants qui vont venir, c'est bon pour la jeunesse qui va venir, c'est bon pour nous les aînés aussi en ce moment. Donc je pense que c'est quelque chose que ça va nous rendre fiers parce que quand quelqu'un te demande est-ce que tu peux écrire dans ta propre langue, si tu peux pas, c'est quelque chose que je trouve que c'est dégueulasse, mais donc je pense que ce qu'elle est en train de faire, c'est très important. Et je pense qu'on doit la soutenir parce qu'elle s'appelle Aïssa. Aïssa Sow, elle est basée en Italie. Donc voilà, je pense que tous les pays africains doivent prendre exemple. Tous les pays africains doivent prendre exemple. Voilà. On crée notre propre langue. Si on peut écrire dans notre propre langue, c'est un avantage pour nous parce que nous, on a été colonisés avant. On parle français, on parle anglais, on parle espagnol, certains pays. C'est un avantage. Surtout. Et puis nous aussi, si on apprend à écrire notre propre langue, ça fait beaucoup de langues maintenant, ça va nous donner un avantage pour évoluer maintenant, parce qu'on crée maintenant des choses qu'on peut marquer ça dans notre propre langue, on crée des choses que nous aussi, tu vois, que nous aussi, ça peut nous aider à évoluer. Je pense que, je suis venu juste vous parler ça, soutenir les gens qui créent des choses pareilles, là, soutenir nous pour mieux avancer. Les jeunesses africaines, je vous conseille, chacun de nous de faire et d'écrire dans sa propre langue, tu vois, de créer des trucs comme ça, voilà, de créer, soutenant elle, parce qu'elle a, c'est bien ce qu'elle est en train de faire, moi je la remercie, moi je la soutiens, et voilà, je la soutiens, donc moi aussi, à travers ça, j'apprends un peu, du coup, je commence à parler, à écrire aussi certaines choses, donc moi, c'est ça. La Guinée, maintenant, il y a. Il y a Adalama, il y a Inko. Apprenez à écrire Adalama et Inko. Ça va, c'est quelque chose qui nous donne des avantages. Moi, je la soutiens. Vraiment, je la remercie. Merci, ma sœur. Et merci tous ceux qui font ça. Merci tous ceux qui la soutiennent aussi. Merci tous ceux qui soutiennent aussi Inko et Adalama et les autres langues africaines. Merci à vous. Je pense que nous, les jeunesses africains, on doit être conscients pour mieux évoluer les peuples africains, pour mieux évoluer l'Afrique. Merci à vous. Et donc, je suis venu juste pour vous parler ça. Voilà. Masseden ko de joyi yeden ko de noga etati si on janga ka de haray adlam ko ka nyaamo iwro ton yaron ka nan haray alkule de janguno den de balde fejjude e wiuno ko a ta la ma ba sa pa ba ra e fa i o da ya wa Na, ka, ya, u, ja, cha, ha, da. Kono ndarno den. Vyuno kari masa den ko te jowi haraiko. A, e, i, o, u. Hara no hande den watu de alkule hedi de den haraiko. Ka,
nya ta nya mira fuditare ga nya ta nya yo no hagida fa I o da yawa na ka ya u ja cha ha ga da ku jangu den de balde fejule e wiuno albule dam den haray ko de nogay e jeetati masse den ko de jewi yeden ko de nogay e tati si on jangay kete haray adlam ko ka nyaamo iwro to yaaron ka nan haray albule de janguno den de balde fejule e wiuno ko a ta la ma ba sa pa ba ra e fa I o da ya wa na ka ya u ja cha ha ga koron da rode wiro kadi masa den ko de jowi haray ko a e I o u haray no handi den watu de alkule heddi de den haray ko ka nya ta nga mira fuditare ga nya ta nga yo no hagi de fa I o da ya wa na ka ya u ja cha ha ga